Donc moi je suis Robin Ascou, je viens de Montauban, j'étais au club de Nevers l'année dernière. Alors j'ai commencé à Montauban chez moi, ensuite je suis parti à Paris pour raison parentale, familiale, et du coup j'ai joué 6 ans au Racing 92, et ensuite je suis parti à Nevers, et pendant mes années à Nevers, donc les derniers mois là, qui se sont écoulés, j'étais en prêt à Chambéry. Pourquoi avoir choisi Bourgogne? Parce que je m'identifie un peu dans ce club, on va dire que ça ressemble un peu à ce que j'avais dans le sud et ce qui est ancré en moi en termes de club. Ça ressemble un peu à mon club de cœur à Montauban. Après, pourquoi avoir fait ce choix? Parce que je pense que c'est un beau projet et qu'on a une belle équipe et je pense qu'il y a un projet qui peut tendre vers le haut niveau, donc c'est ce qui m'a intéressé. Alors du club, notamment par tout ce qui s'était passé avant, surtout, par les documentaires que j'avais vus. J'avais jamais vu un match, je suis venu cette année, pendant que j'étais à Chambéry. Donc du coup après j'ai eu beaucoup d'infos parce que j'étais à Nevers avec Théophile Cotte, avec Octay, etc. Ilmaz, et donc beaucoup d'échos sur ce qui s'était passé avant, etc. Donc c'était assez intéressant. Puis après, tout ce qu'on a au niveau des médias et tout ce qui a été véhiculé au fil des années par rapport aux reportages, par rapport aux joueurs qui sont sortis, etc. Donc c'est toujours un plaisir de parler de Bourgouin, du coup. Ça me fait pencher la balance, pardon. Et aussi le fait qu'il y ait des copains aussi, qu'on soit un petit peu plusieurs à venir, c'était intéressant. Qu'ils aiment la vidéo et puis surtout au plaisir de les revoir rapidement, notamment à la soirée de présentation des joueurs et aussi au premier match contre, je crois que c'est Narbonne qu'on reçoit. Et au plaisir de les voir très rapidement.